Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre National du Livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Rencontre avec Benoît Peeters, l'inclassable. Scénariste de bandes dessinées, parmi lesquelles Les Cités Obscures, Revoir Paris, réalisé avec son confrère et ami François Skuten, qui ouvre une voie royale aux utopies. Grand amoureux d'Hergé, qu'il a lu et relu, si bien qu'il a décidé de faire une thèse sur les bijoux de la Castafiore sous la direction de Roland Barthes. Sémiologue, romancier, il publie à la rentrée un essai sur Alain Robbe-Grillet et le nouveau roman aux éditions Flammarion. Il a, entre autres, écrit « 3 minutes pour comprendre les 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée », publié aux éditions Le Courrier du Livre. Passionné par la création et les récits mixtes, Benoît Peeters n'envisage pas l'art sans transmission. C'est pourquoi il devient le premier titulaire d'une chaire dédiée à la bande dessinée au Collège de France à la rentrée. Bonjour Benoît Peeters. Dans votre livre « 3 minutes pour comprendre les 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée », vous dites que la bande dessinée est un roman mixte. Pouvez-vous nous expliquer ? La forme mixte de la bande dessinée, c'est une chose qu'a évoqué le pionnier Rodolphe Töpffer dans les années 1830. Il dit que la bande dessinée est formée indissociablement, et non pas par addition de textes et d'images, que cette double narration constamment interpénétrée fait qu'il s'agit d'une forme véritablement neuve. Et il ajoute aussitôt que c'est probablement ce qui va la rendre difficile à accepter. Et donc c'est une prémonition absolument juste chez Töpffer, à la fois de l'indissociabilité et des incompréhensions, parce que certains ont tendance à croire que finalement, parce que la bande dessinée serait hétérogène, elle serait impure, bâtarde, pauvre, qu'elle serait une sous-lecture, etc. Il va y avoir un autre préjugé qui se développera assez vite, particulièrement dans le monde francophone, qui serait l'idée que la bande dessinée serait réservée à l'enfance et plutôt à la drôlerie. Toutes ces idées reçues ont été battues en brèche au fil des ans. On a vu l'émergence d'une bande dessinée adulte, à laquelle j'ai participé avec François Skuten quand on publiait Dans à suivre. On voit aujourd'hui la diversité des formes, la capacité d'atteindre la non-fiction, l'autobiographie, de partir vers des territoires plus émotionnels, d'accueillir des expériences graphiques très très variées. Et donc aujourd'hui, si chez certains il reste des préjugés sur la bande dessinée, c'est simplement parce qu'ils n'en lisent pas ou qu'ils n'en ouvrent pas. Dans cet ouvrage, on découvre des planches satiriques du 19e siècle. Ce serait finalement grâce à la presse que la bande dessinée aurait émergé ? La bande dessinée se tient en permanence dans une sorte de battement, d'oscillation entre le monde du livre et le monde de la presse. Et avec Töpffer, c'était des petits livres oblongs qu'il déposait dans quelques librairies. Et il y a eu, dans les années 1840, chez l'éditeur Aubert, qui était dans les passages parisiens, des petits livres. Gustave Doré, par exemple, a publié des bandes dessinées dans sa jeunesse. À partir du milieu du 19e siècle et pendant assez longtemps, la forme de la presse va être prédominante en France comme aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. On finira par avoir l'impression que la bande dessinée est d'abord une affaire de presse. Or, ce n'est pas une vocation absolument obligatoire, mais ça a donné lieu à quelques merveilles. Quand la bande dessinée naît pour la deuxième fois aux États-Unis, dans les dernières années du 19e et les premières années du 20e siècle, avec par exemple un chef-d'œuvre comme Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, elle tire un parti très fort de la presse. La presse propose notamment le dimanche des journaux de grand format et Little Nemo in Slumberland va développer dans ce grand format des pages qui seraient difficiles de mettre dans un livre. Ce n'est que tout récemment qu'on a proposé de belles éditions. Ce qui va se développer aussi grâce à la presse, c'est bien sûr le feuilleton,
Pensons aux aventures de Tintin, mais avant ça, celle de Ziggy et Puce, pensons à Astérix, mais aussi une forme très spécifique, un rendez-vous quotidien qui est celui du strip, du comic strip, c'est-à-dire ces bandes de 3 ou 4 images, parfois indépendantes, comme les Peanuts de Charles Schulz, parfois feuilletonnantes, donc se prolongeant jour après jour. Il y avait eu par exemple une série célèbre de Paul Gillon qui s'appelait 13 rue de l'Espoir, qui était en France Soir et qui tenait en haleine comme un feuilleton télévisé beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc ces formes-là ont leur légitimité et leur dignité. Il se trouve que depuis une quarantaine d'années, il y a un transfert qui s'est fait, en tout cas dans le monde francophone, de la presse vers le livre, avec un privilège de l'album, et cette forme qu'on appelle aujourd'hui, de manière plus ou moins appropriée, le roman graphique, forme qui tire pleinement parti du livre. Moi-même, avec François Skeuten, pour la série Les Cités Obscures, j'ai été vraiment à la charnière de ces deux mondes, puisque à nos débuts, la publication, on parlait souvent de pré-publication, d'ailleurs, dans le magazine à suivre, était décisive. On proposait les histoires par chapitre, nous avions des réactions des lecteurs. Petit à petit, le magazine a été désinvesti, et c'est le livre qui est devenu l'objet de désir des auteurs, et l'objet privilégié des éditeurs. Donc il y a vraiment eu un transfert de marché, avec d'ailleurs des conséquences qui ne sont pas toutes positives. Bien sûr, il y a un gain de légitimité, ouais, peut-être de permanence, mais il y a eu notamment pour les auteurs, sur le plan économique, une fragilisation qui découle directement de la disparition de ces publications dans la presse. Vous êtes un grand lecteur. Vous avez publié de nombreux essais sur Hergé que vous avez lus et relus. Pourquoi les aventures de Tintin vous touchent-elles autant ? Il est clair pour moi et pour pas mal de gens de ma génération, ou un peu plus âgés ou un peu plus jeunes, que Tintin a été une lecture indéfiniment reprise. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais décidé à 20 ans de faire mon travail de fin d'études sur Hergé. Je m'étais dit finalement ce sont les seuls livres que j'ai toujours lus. Je les ai eus dans les mains, les aventures de Tintin, avant même de savoir déchiffrer, et j'ai continué à les lire tout au long de mon enfance, de l'adolescence et de ma jeunesse, avec des regards différents. Et donc, ça me semblait quelque chose de tout à fait extraordinaire, et véritablement, ce phénomène que Michel Serres qualifiait d'inusable, l'œuvre inusable, est quelque chose que beaucoup de tintinophiles ressentent et partagent. Un enfant peut trouver dans Tintin une première couche d'humour et d'aventure, par exemple en suivant Milou, et un adulte va percevoir des arrière-plans historiques, philosophiques, psychanalytiques, politiques, que peut-être l'enfant ne perçoit pas. Et puis, pour l'auteur de bande dessinée que je suis, et pour beaucoup d'auteurs de bande dessinée, Hergé reste un modèle, par l'ambition qui a été la sienne dans la bande dessinée et par la maîtrise exceptionnelle du langage de la bande dessinée, de toutes les ressources de cet art et par exemple de l'ellipse qu'il manie en virtuose. Vous êtes scénariste, chercheur, vous avez d'ailleurs effectué votre thèse sous la direction de Roland Barthes. Vous publiez également chez Flammarion un essai sur Alain Robbe-Grillet et le nouveau roman. Benoît Peeters, vous considérez-vous comme un sémiologue, un linguiste ? Quelles sont vos quêtes ? On ne sait jamais véritablement, même quand on est analyste de l'œuvre des autres, ce qu'on fait soi-même et pourquoi on le fait. Ce qui est sûr, c'est que j'ai aimé mêler dès ma jeunesse le travail de réflexion et le travail de fiction, et je n'ai jamais cru aux hiérarchies entre les domaines, entre les genres. Quand j'ai proposé à Roland Barthes, comme jeune homme, de travailler avec lui sur les bijoux de la Castafiore d'Hergé, c'était insolite, et c'était même presque extravagant dans le cadre d'une université française. Il est vrai que Barthes accueille justement des travaux qui ne pouvaient pas se faire ailleurs que dans ce contexte en dehors de l'université traditionnelle. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup moins étrange, beaucoup moins bizarre, et on peut à la fois s'intéresser, comme ça a été mon cas, au nouveau roman, à Michel Foucault, à Derrida, et à la bande dessinée. Je n'établis pas de frontières strictes entre ces domaines, et en tout cas certainement pas de hiérarchie automatique. Bien sûr, il y a dans la bande dessinée une part considérable de
de médiocrité d'œuvre quelconque, mais si nous prenons tous les romans d'une rentrée littéraire ou tous les essais qui paraissent au long d'une année, la part de médiocrité est à peu près la même. Elle est probablement inchangée à peu près d'un domaine à l'autre, avec cette particularité pour la bande dessinée qui est qu'elle nous saute au visage de manière plus agressive. Si vous avez un peu décroché de la bande dessinée, que vous entrez dans une librairie spécialisée et que vous ne voyez que des couvertures ou que vous feuilletez rapidement des albums, une certaine violence de rejet, par exemple pour les couleurs, va se manifester de façon beaucoup plus tangible que pour les romans de la rentrée. Imaginez que les mots, les phrases médiocres, les scènes plates, les redites, les stéréotypes vous assaillent de la même façon, comme si on entendait des extraits de tous ces romans à mesure qu'on s'en approche dans une librairie. Ce serait une petite anticipation amusante ou horrifiante. Évidemment, nous aurions le sentiment que la médiocrité est très présente. Pour la bande dessinée, les qualités ne se révèlent pas forcément au premier instant. Parfois, nous avons besoin d'un apprentissage pour aimer un nouveau type de dessin. Par contre, la laideur, ou ce que nous percevons comme la laideur, nous arrive beaucoup plus vite. C'est peut-être une chose qui explique que les jugements à l'emporte-pièce restent assez fréquents. Mais je crois qu'il y a, chaque année, aujourd'hui, dans le monde francophone comme dans d'autres traditions, suffisamment d'excellentes bandes dessinées pour que des lecteurs de tout type et des lectrices de tout type, puisque le médium s'est heureusement féminisé, puissent nous séduire. Simplement, moi je ne suis pas, et je n'aurais jamais voulu être, ni comme praticien, ni comme théoricien, un monomaniaque. Je ne me serais pas satisfait de n'aimer que la bande dessinée. J'aime évidemment la littérature, les sciences humaines, le cinéma et bien d'autres domaines. Et j'ai navigué avec joie entre ces domaines. La frontière qui reste, aux yeux de beaucoup, la plus bizarre, c'est la frontière entre le travail de réflexion et le travail de fiction, comme si vraiment c'était deux spécialités, comme s'il y avait d'une part des créateurs et d'autre part des analystes. Alors, je ne suis sûrement pas linguiste, j'ai rencontré la sémiologie, j'ai rencontré plus tard la médiologie de Régis Debray, je me suis passionné pour la philosophie de Jacques Derrida dont j'ai écrit la vie. Tout ça m'a nourri et peut-être nourrit le regard que je peux porter sur la bande dessinée, sans exclure bien sûr le plaisir naïf et simple du lecteur qui doit aussi voir se retrouver face à une œuvre nouvelle sans grille d'analyse préétablie. Là, je viens de dire le très beau livre de Jean-Louis Tripp qui s'appelle Le Petit Frère. Bon, on peut en dessiner sur le deuil, sur la perte d'un petit frère âgé de 11 ans et demi, il y a bien des années, il revient sur ce deuil. Eh bien, quand je lis ce livre, je le lis avec la même ouverture et la même capacité d'émotion que n'importe quel lecteur. Je ne m'empresse pas de projeter dessus une grille d'interprétation théorique. Vous allez donc être le premier titulaire d'une chaire dédiée à la bande dessinée au Collège de France ? Que pour la première fois, et c'est vraiment une joie pour moi, on va parler de la bande dessinée dans ce lieu quand même de haute légitimation, mais j'espère aussi qu'on ne va pas en parler, enfin que je ne vais pas en parler avec ni mes invités, de manière pédante, et que cette dimension de plaisir du texte ou de plaisir de l'image sera là et restera présente, que cette dimension de gai savoir ne sera pas là pour assécher la bande dessinée, mais peut-être pour montrer certaines de ses possibilités, certaines spécificités de son langage qu'on n'aborde pas instantanément, et puis aussi pour nous faire sortir, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée, pour nous faire sortir de la petite zone de confort qui est liée aux bandes dessinées avec lesquelles nous avons grandi, au style que nous connaissons depuis toujours. Bon, ben pour certains, c'est la bande dessinée franco-belge, pour d'autres, c'est le manga, pour d'autres, ce sont les super-héros. Et beaucoup de gens, y compris de gens extrêmement cultivés, intelligents, ont peut-être un peu cette frontière, cette limite de rester fidèle à un certain style, ce qui explique aussi la mode un peu agaçante à mes yeux de la reprise des héros. Voilà, on en a eu un exemple caricatural avec les polémiques autour de Gaston Lagaffe, mais beaucoup de héros d'hier ou d'avant-hier, essentiels ou moins essentiels, connaissent une deuxième vie par d'autres créateurs, comme s'il fallait toujours
avoir cet effet un peu nostalgique de la bande dessinée avec laquelle on a grandi, comme on peut avoir le plaisir quelquefois de réentendre des chansons, les vieux tubes qui nous rappellent des souvenirs. Mais je pense que la force de la bande dessinée, elle va bien au-delà de ce petit plaisir nostalgique. En ce moment, et au regard de notre époque charnière, on parle beaucoup de science-fiction, de sa capacité à créer des utopies. Que pensez-vous de l'utopie et de l'utopie dans la bande dessinée ? Dans le travail que j'ai développé avec François Skuyten, essentiellement les cités obscures, la question de l'utopie était très présente. Nous avons commencé dans les années 80, un moment où la critique des utopies avait encore un sens assez fort. L'utopie moderniste existait encore, notamment sur le plan urbanistique. Le mur de Berlin n'était pas tombé. Nous sommes rentrés, en nous approchant de l'an 2000, dans une période extrêmement désenchantée où l'idée même de l'utopie pendant un temps a été comme condamnée, comme si utopie était un chemin insidieux vers le totalitarisme, comme si toute utopie cachait quelque chose de normatif. Je crois aujourd'hui, et je partage cette idée avec mon ami François Skuyten, qu'il y a une place pour une réinvention d'une utopie qu'on pourrait dire modeste, locale, ponctuelle, une utopie qui se donne elle-même éventuellement comme une proposition et pas comme quelque chose qui irait vers sa concrétisation, une utopie qui accueille sa part d'humour et de fantaisie. Nous avons fait par exemple un livre ensemble qui est un peu moins connu, qui était en marge des cités obscures, qui s'appelle Les portes du possible. Or cette idée de porte du possible, c'est-à-dire de petites portes qu'on ouvrirait sur quelque chose qui reste relativement local, nous semble extrêmement pertinent. Et je crois qu'aujourd'hui, on a absolument, absolument besoin de réveiller cette fibre utopique en lui ôtant donc cette envie englobante. Qui a conduit à la faillite des grandes utopies, des grands modèles utopiques. Par exemple, dans une ville, vouloir concevoir de toutes pièces un nouveau Brasilia semble quelque peu effrayant, mais d'un autre côté, s'en remettre strictement à la croissance spontanée d'une ville en ne proposant plus de modèle qui la réveille, c'est tout à fait catastrophique. Et donc, par exemple, je ne sais pas si c'est très original de dire ça, mais je suis favorable à l'idée de plusieurs utopies concurrentes qui cheminent à différentes échelles à l'intérieur de la croissance d'une ville. C'est-à-dire, au lieu de tout soumettre à un grand plan régulateur, de se dire il y a de l'utopie et non pas une utopie qui travaille à recréer des structures d'ordre ou des ouvertures d'imaginaire mise en cause par d'autres structures. On rejoindrait d'ailleurs là un certain nombre de concepts de la modernité qu'on rencontre chez Michel Foucault, chez Deleuze, chez Derrida, même chez Lacan, d'une certaine façon, c'est-à-dire cette idée que plusieurs forces interagissent sans prétendre imposer une grande régulation ou un sens de loi. On est évidemment là très très loin, pour rester sur le terrain urbain, des visions de la cité radieuse, des théories de Le Corbusier, etc., qui ont toujours ce caractère hégémonique. Par exemple, il y a chez Le Corbusier, ce qui n'enlève rien à son talent d'architecte, mais il y a cette idée régulatrice un peu folle de « une chambre doit être ceci, telle surface est nécessaire, une famille organise l'espace de telle et telle façon », ce qui fait d'ailleurs que parfois une maison ou un appartement conçu selon un certain modèle est presque intransformable. Je serai évidemment toujours favorable à toutes les idées qui contiennent leur propre plasticité, c'est-à-dire la différence des usages au fur et à mesure de notre vie ou des heures de la journée ou des relations que nous entretenons les uns avec les autres, et pas évidemment à des grands modèles, notamment de toute l'utopie fonctionnaliste qui séparait les quartiers, etc., chose dont on a vu les ravages, qui n'est plus revendiquée par personne aujourd'hui, mais dont les traces sont toujours là, parce qu'évidemment, il y a des effets de permanence. Bon, évidemment, sur le plan politique, nous l'avons vu aussi avec les menaces effroyables que la rigidité produit. Et je pense que c'est moins d'ailleurs telle ou telle théorie que l'idée même d'une grande théorie régulatrice, qu'elle soit hyper-libérale ou communiste, qui à un moment étouffe et génère de la violence.
Vous avez co-signé en tant que scénariste de nombreuses bandes dessinées avec François Skuten. Votre dernière bande dessinée, Revoir Paris, publiée aux éditions Casterman, est une BD d'anticipation aux tonalités mélancoliques et poétiques. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration ? François Skuten, j'ai eu la chance de le rencontrer à 12 ans. Nous étions ensemble en classe. On faisait un petit journal d'école, on peignait ensemble sous la direction de son père, on s'amusait aussi ensemble. Et il est resté quelque chose de cette complicité enfantine, de ce plaisir d'inventer, de cette construction un petit peu de monde imaginaire ou impossible. Ça a circulé à travers tout notre travail, même s'il est perçu peut-être par les lecteurs comme plus sérieux. La complicité que nous avons est une complicité qui n'est pas strictement professionnelle. Et ça, je pense que c'est une dimension formidable, non répétable. Moi, j'ai toujours eu la joie, et c'est un des plaisirs de la bande dessinée, de travailler avec des gens différents. Ça a été Frédéric Boilet, ça a été Aurélia Horita, avec des collaborations très différentes qui se réinventent, mais dans cette idée qu'on ne fait pas un travail ensemble, mais qu'on vit un projet, qu'on l'invente, sans partage des rôles trop stricts, c'est-à-dire je suis moins et plus qu'un scénariste, en un sens moins, parce que je laisse très volontiers le dessinateur ou la dessinatrice intervenir dans le projet, un peu plus parce que je peux aller assez loin dans les suggestions visuelles, même si je ne dessine pas moi-même. Et nous acceptons l'un et l'autre beaucoup les suggestions et les apports de l'autre sans chasse gardée, sans se dire il faudrait que chacun pose son idée ou soit respecté, etc. Ce qui compte, c'est véritablement le résultat auquel nous arrivons. Et parfois, la meilleure idée est une idée qui surgit sur la page sans que l'on sache qui des deux l'a apportée, sans que l'on sache véritablement si c'est une idée graphique ou une idée narrative. Dans notre album La Tour, par exemple, le surgissement de tableaux en couleur au milieu d'un monde noir et blanc, c'est vraiment quelque chose que nous avons approché petit à petit, mais qui n'a pris sa pleine force que quand François Skuten a commencé à le dessiner. Et là, nous avions l'impression que véritablement ce qui se passait sur les pages était si fort que ça modifiait toute la fin de l'histoire telle que nous l'avions d'abord imaginée. Donc ça, c'est une joie qui est liée à la confiance, qui est liée peut-être à la durée de la collaboration, qui est liée à ce qu'il y a de non maîtrisable, de non fabriqué dans une collaboration. J'ai écrit un livre avec un ami hélas disparu qui s'appelle « Nous est un autre, enquête sur les duos d'écrivains » où nous étions intéressés ensemble à toutes ces formes de collaboration plus ou moins harmonieuses, plus ou moins heurtées, plus ou moins bizarres, parce que les chemins de la collaboration peuvent être très bizarres. Bien sûr, il y a, pour en revenir à la bande dessinée, des gens qui créent tout eux-mêmes. Hein. Il y a des Winsor McCay, des Hergé, des Art Spiegelman qui ont animé à eux seuls leur monde, texte et dessin et narration insensiblement confondus. Mais il y a aussi de grandes œuvres, pensons à Astérix hein, avec Uderzo et Goscinny, pensons à Valérian, pensons à Christin et Bilal, enfin énormément d'œuvres, où la collaboration a donné naissance à quelque chose de fort, parce que probablement cette collaboration n'était pas strictement professionnelle, n'était pas strictement une addition de compétences. Il arrive que les éditeurs cherchent à fabriquer des collaborations, elles ne donnent pas toujours des résultats aussi vivants, aussi joyeux que ces collaborations nées d'une amitié ou construisant une forme d'amitié. Bien entendu, ce sont des mécanismes extrêmement mystérieux et on ne sait pas toujours, je crois que les cinéastes le savent, les troupes de théâtre le savent, on ne sait pas toujours pourquoi ça prend les musiciens capables tout d'un coup de former un groupe, de jouer ensemble et puis tout d'un coup voyant quelque chose se défaire ou bien au contraire se transformer et se réinventer, les positions des uns et des autres changeant. Voilà, ce sont des choses qui font pour moi que j'ai rarement eu l'impression de travailler en faisant les livres, et que même dans des travaux différents et d'allure plus sérieuse
comme l'écriture biographique, j'ai toujours un peu le sentiment de travailler en collaboration. Ici, j'achève un livre sur Rob Grillet et l'aventure du nouveau roman. J'ai eu la chance de bien connaître Alain Rob Grillet à différentes périodes, de l'avoir beaucoup lu, et j'ai un peu l'impression d'écrire ce livre avec lui, avec son ombre ou son fantôme qui est là auprès de moi et qui, évidemment, tous ces textes, tous les documents que je retrouve, eh bien, j'ai un peu ce même sentiment que dans une collaboration in presentia avec un dessinateur ou une dessinatrice. Ce sentiment, au fond, que j'avais appelé dans un texte l'écriture de l'autre. Oui. Il y a beaucoup de façons de faire jouer l'écriture de l'autre, mais pour moi, c'est essentiel. Alors, il y a des auteurs qui sont dans la solitude essentielle. Vous n'imaginez pas véritablement... je ne sais pas, moi, Julien Gracq écrivant en collaboration, mais, ou même Claude Simon, ou Duras, mais en même temps, bon, pensons, Duras, par exemple, Duras, c'est aussi le théâtre, le recontact avec les comédiens, ce sont aussi des films, des aventures partagées, et il me semblerait très réducteur et un peu stupide de penser que l'œuvre d'un seul, à supposer que cela existe tant que ça, que l'œuvre d'un seul serait plus profonde et plus intense qu'une œuvre faite à deux ou trois ou à plusieurs. Que pensez-vous de l'art virtuel qui fait l'objet de spéculations dans la crypto-monnaie ? La bande dessinée, au départ, et c'est une des choses que j'aime chez elle, est plutôt un médium de masse. Le livre est reproductible à l'infini, le journal circulait très très largement et c'est un objet souvent relativement bon marché. C'est ce qui explique que beaucoup de séries, aujourd'hui les mangas, mais d'autres types de bandes dessinées, se répandent. Il existe une autre forme qui s'est développée au fil du temps autour des originaux. Et donc ces originaux se sont retrouvés dans des expositions, parfois dans des galeries d'art et parfois se vendent assez cher. Ce sont des originaux physiques. C'est-à-dire que François Skuyten, comme beaucoup d'autres auteurs, travaille en grand format, sur du papier, avec des couleurs. C'est un objet qu'on peut posséder. D'autres auteurs et autrices, aujourd'hui, travaillent sous forme virtuelle, déjà. C'est-à-dire font de la création sous forme numérique. Et donc n'ont pas cette capacité dans les galeries à vendre leurs originaux. Donc je pense que pour eux, les NFT, tout ce que les nouvelles technologies peuvent donner, peuvent apporter ce supplément-là. Il n'empêche que pas plus que les originaux dans les galeries, ces œuvres d'art virtuelles et coûteuses ne me semblent être l'avenir premier du médium. J'aime qu'il ne soit pas comme l'art contemporain réservé d'abord à une élite, mais qu'il reste quelque chose qui circule. Et pensons aussi à cette extraordinaire transmission de la bande dessinée par le prêt entre amis, par les bibliothèques. Une bande dessinée est probablement énormément lu, passe de main en main et de regard en regard. C'est un objet qui ne se détruit pas en une fois, et je pense que ça c'est une des grandes chances. Bien sûr, nous aimons faire de beaux albums, mais ces albums peuvent être coûteux. Il est aussi important que par la circulation, ils aient la capacité d'atteindre chacun. Moi j'ai très souvent rencontré des lectrices et des lecteurs qui m'ont dit « mais j'ai d'abord découvert vos albums dans une bibliothèque, dans un CDI, et puis un jour j'ai eu un peu plus de sous et j'en ai racheté quelques-uns, etc. » Bon, et je trouve ça très très bien qu'on ait cette ouverture-là. Donc, évidemment, quand on a une grande vente publique, ce sera peut-être le cas avec les grandes ventes NFT, on se focalise tout d'un coup sur des sommes astronomiques, et tel original s'est vendu à tel prix. Mais pour moi, on est là dans l'écume du phénomène et pas dans la nature même d'un médium qui est vraiment un art de la reproductibilité technique, fondamentalement. J'ai un peu le même problème, je vous dirais les mêmes limites, les mêmes réserves, quand je voyais les tirages très limités de certaines photos, avec quelquefois même pour les galeries, les négatifs brûlés ou des choses comme ça. Je me sens presque plus à l'aise avec l'idée, par exemple, de la photographie dans la presse, même imparfaitement reproduite, mais circulant partout et nous frappant et nous atteignant, plutôt que dans la fétichisation de l'original et de sa valeur.
Que peut-on vous souhaiter, Benoît Peters ? De garder de l'enthousiasme et d'avoir une longue, comment dire, une longue vie consciente. Benoît Peters, accepteriez-vous de nous lire un extrait de votre livre ? Né à Paris, mais ayant grandi à Bruxelles, je suis un enfant de la bande dessinée franco-belge. Même si mes parents préféraient ce qu'ils appelaient les vrais livres, j'ai l'impression d'avoir eu très tôt des bandes dessinées auprès de moi, à commencer par les aventures de Tintin, lues et relues jusqu'à les connaître par cœur. Durant les années 1960, en Belgique, la bande dessinée fédérait les cours de récréation. Nous nous échangions les albums, encore peu nombreux, et surtout les journaux Spirou et Tintin, plus complémentaires que concurrents. J'aimais Lucky Luke, Blake et Mortimer, Gilles Jourdan, Boulet Bill, Bob et Bobette, Gaston Lagaffe, je ne dédaignais pas, Picsou Magazine et le journal de Mickey, puis 20 pilotes, avec Astérix bien sûr, mais aussi Blueberry, Philémon, Valérian et Laureline, la rubrique Abrac et le Grand Duduche. Autant de goûts partagés avec un de mes camarades de classe entre 12 et 14 ans. Il dessinait avec passion et possédait une impressionnante bibliothèque de bandes dessinées, dont la première édition française de Little Nemo in Slumberland, le chef-d'œuvre de Winsor McCay. Il s'appelait François Skuyten et rêvait de devenir auteur de BD, plutôt qu'architecte ou peintre, comme le souhaitait son père. Benoît Peters a publié, entre autres, un essai sur Chris Ware, une biographie sur Jacques Derrida, une autre sur Paul Valéry, toutes les deux chez Flammarion, mais aussi une bande dessinée dédiée à la cuisine, Comme un chef, publiée aux éditions Casterman, avec Aurélia Orita. Quand on lui a demandé ce qu'on pouvait lui souhaiter, il nous a répondu « une vie consciente ».